المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي جل في علاه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطر كرام الحمد لله في يعني الموضوع اليوم إن شاء الله في الإخلاص الإخلاص يعني في العمل والإخلاص في النية كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحديث إنما الأعمال يعني بالنية أو بالنية Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur un sujet important, qui est un sujet que l'on doit, inshallah, essayer de comprendre, qui est l'intention, c'est-à-dire plutôt même la sincérité dans les actes. Comment l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre en application l'ikhlas, la sincérité fil amal, dans l'action. L'ikhlas, ibad Allah, assasu d-din, barruh, at-tawhid wal-ibada, wa huwa ya'ni, an yuqsada ya'ni, العبد بعمله كله وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وفضله parce que vous savez la sincérité elle constitue la colonne vertébrale le fondement même de l'islam c'est-à-dire que cela constitue la base sur laquelle se fonde la religion l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى le fait que tu adores Allah جل في علاه وحده seul sans rien lui associer c'est basé sur la sincérité يعني كذلك العبد لا يكون العبد متحققا يعني بإياك نعبد إلا بأصلين أحدهما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والثانية يعني الإخلاص للمعبود puisque même ceux qui nous ont parmi nos érudits et bien précédés nous rappelaient que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'atteindra jamais véritablement vous savez la parole يعني ce que tu dis إياك نعبد وإياك نستعين c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons secours ou auprès de qui nous recherchons secours tu n'atteindras jamais la véritable adoration si tu n'appliques pas ces deux fondements يعني أصلين عظمين deux grands fondements le premier c'est le fait bien sûr que ce que tu le fais en conformité avec ton prophète Mohammed ibn Abdillah عليه الصلاة والسلام et le deuxième c'est le fait que tu sois sincère vis-à-vis de celui que tu adores, Allah subhanahu wa ta'ala. إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين يعني تدفع كذلك الكبرياء. Parce que ces deux choses que tu dis, tu sais quand tu dis إياك نعبد وإياك نستعين, qu'est-ce que tu fais? Le premier, c'est toi que nous adorons, qu'est-ce que cela fait? Cela repousse l'ostentation. Tu reviens à ta personne d'être humain. أَلَسْتُمْ بَرَبِّكُمْ قَلُوا بَلَا شَهِدَنَا Donc, ne suis-je pas votre Seigneur disait Allah subhanahu wa ta'ala à la barrijati Adam avant même que l'on vienne nous étions en état d'embryon et autres on n'était même pas créé en post-création Allah jalla fi'ula nous a fait attester est-ce que je ne suis pas votre adorateur votre Seigneur et vous donc les adorateurs nous avons tous attesté du premier au dernier n'est-ce pas et pourquoi parce que l'ikhlas ibad Allah أن لا تطلب عملك ما هو الإخلاص سيكولا donc comment le traduit الإخلاص أن لا تطلب عملك يعني على عملك شاهدا غير الله سبحانه وتعالى مجازيا سواه la sincérité on peut la traduire comme cela comment c'est-à-dire en se disant tout simplement que c'est le fait que toi tu fasses dans ton action une œuvre quand tu adores Allah سبحانه وتعالى tu le fais uniquement en espérant qu'en soit témoin qui Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Quand tu arrives à faire des actions où tu ne cherches que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu commences à attendre l'ikhlas, la sincérité. Wa kathar min an-nas, ibad Allah, beaucoup d'entre nous, des fois on fait des choses, on ne se rend pas compte, as-sadaqat, al-amal as-salihan, al-kalimat at-tayyiba, des choses, plein de choses que tu fais, mais tu le fais
Des fois, au regard des gens, ou pour que les gens te donnent, ou pour que tu sois, tu vois, pour que tu montres un bon exemple de toi, des choses comme cela. Tu oublies que tu dois rechercher que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense d'Allah azza wa jal. Wala nuridu minkum jaza'a wala shukura. Fa innal jaza'a min jins al-amal kama tadinu tudan. Parce que en réalité, comme dans le verset coranique, quand Allah jalla fi'ala te dit de dire, certes nous attendons de vous, nous voulons de vous ni remerciement et ni eh bien récompense. Tu vois, tu n'attends rien des gens, tu fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que As-Sofyan al-Thawri rahmatullah al-Ahmad al-Kibar al-Ulama al-Islam min a'imat al-Islam, un de nos grands érudits, qu'est-ce qu'il disait? Ma ajaltu yani shay'an ashaddu alayya min niyyati fa innaha taqlabu yani taqlabu kadhalik taqlabu alayya. Il disait, je n'ai pas trouvé une chose qui ne me soit le plus dur à laquelle je lutte tous les jours, qui me soit le plus dur à lutter, si ce n'est, eh bien, mon intention. Pourquoi je fais les choses? Pour qui je fais les choses? Au point, il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que celle-ci, elle est tout le temps en train de changer. Tu sais, des fois, tu as envie de faire une aumône, une sadaqa. À la base, tu es parti, alhamdoulilah, dans une bonne intention. Et ensuite, soudainement, ton intention, elle change. Tu vois? Tu veux montrer une chose où tu veux augmenter parce que tu as des gens qui s'attendent de toi une grande somme, par exemple, alors que toi, tu n'avais pas prévu une grande somme. À la fin, tu te retrouves à augmenter ta somme, pas parce que tu avais l'intention, parce qu'on attendait de toi cette augmentation, subhanallah. Donc ça veut dire qu'il faut que tu retravailles ton intention. Comment? La vraie difficulté, c'est quoi? C'est de te dire, non, j'avais l'intention de donner cela. Sincèrement, si je l'augmente, je ne l'augmente plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, je l'augmente parce qu'on attendait cela de moi. Je reste sur ce que j'étais. Tu vois, je donne ce que j'avais prévu de donner. Parce que si j'augmente, je vois que ce n'est plus moi qui voulais donner. Pour Allah azza wa jalla, je voulais donner parce qu'on attendait ça de moi. Subhanallah. Et c'est pour ça que كثير من العلماء sur l'ayat, les versets, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني العمل العبرة العمل الحسن لا يعني ليس يعني العمل الكثير. Dans le verset, lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit, certes, c'est lui qui détient, donc un béni soit celui qui détient donc la royauté entre ses mains. Il a créé donc la vie et la mort uniquement pour nous éprouver et voir celui d'entre nous qui allons le mieux agir. Qu'est-ce que tu dois retenir de ce verset? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Le mieux agir en termes d'action. La leçon, c'est que ce n'est pas la quantité d'œuvres qui va primer. C'est quoi? C'est la qualité des œuvres. C'est pour ça que Fadl ibn Iyad, radhiyallahu anhu, Ahmed al-Ulama, kibar min a'imat al-Islam, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, أَخْلَصَهُ وَأَسْوَابُ عَلَى هَذِي الْآيَةِ فِي تَفْسِرِهِ. Dans son commentaire, il disait, cela veut dire, eh bien, l'acte juste et sincère. وَقِيلَ لَهَ يَا أَبَا عَلِي وَمَا أَخْلَصَهُ وَأَسْوَابُ. Et donc, les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce que veut dire l'acte juste et sincère? Qu'est-ce qu'il a dit? فَإِنَّ الْعَمَلْ إِذَا كَانَ يعني صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان يعني خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى أن يكون خالصا صواب الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. Et quand il a répondu à cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce que l'acte, si tu fais une action, si tu fais une œuvre, ton œuvre, elle est conforme, si tu l'as faite, elle est conforme avec ce que l'islam t'enseigne, mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée. Si tu fais une œuvre sincère, c'est-à-dire que tu es sincère dans ton acte, mais cet acte-là, il est inconnu. Tu vois, ce n'est pas ce que le professeur t'a enseigné. Celle-ci n'est pas acceptée aussi. Il faut que tu lis les deux. Al-ikhlas, la sincérité, avec la conformité. Si par exemple tu veux dire, moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sincère, mais j'ai décidé de faire 6 prières obligatoires par jour. Ce n'est pas accepté. Parce qu'on ne t'a pas enseigné 6 prières par jour. Tu dis par exemple, moi je suis sincère, ça ne me suffit pas de faire Shahar Ramadan, tout cela. J'ai envie de m'obliger à faire 2 mois dans l'année. Pas un seul, 2 mois. J'ai envie de m'obliger à cela. Parce que je suis sincère pour Allah. J'ai envie d'adorer Allah, j'ai envie d'augmenter mon adoration. Elle n'est pas acceptée. Parce qu'il faut que ça soit conforme avec ce qu'on t'a enseigné. En plus de ta sincérité, subhanallah. ولهذا عبد الله تعلموا النية كما يعني بكر أحمد الحكماء تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل
C'est pour ça qu'il disait, ceux qui, parmi qui nous ont précédés, il disait quoi? Il disait, apprenez, étudiez l'intention, étudiez ce qui provoque l'intention, parce que celle-ci est plus importante et la plus importante est bien plus importante que les actions. إنما يعني الأعمال لا تتفضل بكثرة يعني بالكثرة بكثرة العمل إنما الأعمال تتفضل بما يحصل في القلوب حال العمل قاعدة كذلك c'est la règle la valeur des œuvres la valeur des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est pas en conséquence de la quantité la valeur des œuvres auprès d'Allah elle est en conséquence de ce que ton cœur tu vois, va produire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas avoir comme intention au moment où tu vas réaliser ton acte? Ça change tout, subhanallah. Et quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que, subhanallah, il y a plein de choses qu'il faut que je travaille. C'est pas facile. Il faut que je fasse attention à mon intention. Kadar, yani, kullama qawiya ikhlas al-abd. Yani, kumila kadarik u'ubudiyatuhu. Plus la personne elle va être sincère dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va augmenter, il va renforcer son adoration d'Allah azza wa jal. Al-ubudiyah, sa servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Linabluwakum, yani, linabluwakum, ayyukum ahsanu amala, nous allons vous éprouver, l'épreuve, yani, kullu nafsin dha'iqat al-maut, wa nabluwakum bishar wal khair fitna, wa ilayna turja'un. De la même manière, quand Allah jalla fi'ala, il te dit, tout homme va goûter la mort et nous allons vous éprouver avec quoi? Avec le béchar, avec le mal, comme avec le bien. Mais pourquoi? Fitna. Wal fitna, ibadallah, fi hadhihi al-ayah. Qu'est-ce que veut dire la fitna? Yani, al-ibtila, wal-ikhtibar, min Allah jalla fi'ula. C'est l'épreuve, c'est l'examen. Al-fitna, c'est aussi l'examen. Si Allah jalla fi'ula, il va t'éprouver sous forme de tentation pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Subhanallah. Tu vois, comment que tu vas réagir? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Bien au contraire, celui qui va se soumettre complètement, parfaitement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben regarde, Allah jalla fi'ala te donne la traduction parfaite de l'ikhlas de yani al-'ubudiyyah, comment tu dois adorer Allah jalla fi'ala te dit, et bien celui qui va soumettre toute sa personne, son âme complètement à son Seigneur. C'est lui qui va prendre, يعني, أجره عنده, عند ربه. Il va prendre une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et ce, vous savez, ce verset est important à la fin. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. De quoi vont-ils avoir peur? Plus de peur pour eux. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Peur de quoi? Peur de ce que tu vas devoir rendre comme compte l'Yawm al-Qiyamah. Plus de peur pour vous. Vous avez réussi. Voilà, hum yahzanun, et ils ne seront plus tristes. Quelle tristesse! Ce que tu vas délaisser de ad-dunya. Ce que tu auras laissé derrière toi de ad-dunya, tu ne vas plus t'en attrister. Parce que ce qui va arriver par la suite sera bien meilleur et tu en seras bien plus heureux. Deux grandes choses qu'Allah jalla fi'ala te promet. Le fait que tu n'auras plus peur, al-khawf, parce qu'Allah jalla fi'ala t'aura enlevé cela liyam al-qiyamah, amamahu, devant lui. Wa-thani, yani la deuxième chose, yani, le fait que ne sois plus triste de ce que tu as délaissé. L'ikhlas, ibadallah, c'est la chose la plus importante. L'ikhlas, kadalik, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu dis? L'ikhlas, yani min asbabi tafrij al-kurubat. Quand tu commences à devenir vraiment sincère, lorsque tu fais preuve de sincérité, Allah jalla fi'ala bisabab min a'dami asbab, parmi les plus grandes causes, l'ikhlas, qu'est-ce que cela t'apporte? Ça te fait disparaître. Eh bien, les soucis, les angoisses, les mauvaises choses, les calamités, subhanallah. À cause de quoi? À cause de la sincérité. Parce que j'ai été sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'ai fait preuve de sincérité dans mon adoration d'Allah azza wa jalla. Al-amal bil-ikhlas, l'action. Et c'est pour cela que c'est important, ibadallah, de ne pas se contenter, juste tu fais tes prières, on fait nos prières, tilawat al-Qur'an, tu lis le Qur'an, pendant ces jours bénis qui sont des jours aussi importants subhanallah, parce qu'ils sont les meilleurs dans ces jours là ce sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais tu peux gâcher des fois des œuvres à cause de ta niya, à cause de ton intention, à cause de ta sincérité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ مُخْلِسًا لِلَّهِ عَزَ وَجَلْ فِي أَعْمَلَ الدِّينِ وَيَعْمَلُهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَهْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الْعَظِيمِ celui qui va être sincère. Regardez la récompense. Celui qui va être sincère à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son action, dans sa pratique religieuse, il fait partie des rapprochés d'Allah. Comme le disait Ibn Taymiyyah rahimahullah alayh, il fait partie des rapprochés awliya illa azza wa jalla min awliya illah. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min ad-dhulumati ila an-nur. Quand Allah jalla fi'ala, il est l'allié d'un adorateur, quand Allah azza wa jalla, il est l'allié d'un de ses serviteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il le sort des ténèbres pour l'emmener vers la lumière. Tu vois, subhanallah. Et quand il est un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il fait partie des gens du paradis. Hein? فَمَنْ كَانَ يَعْنِي فَمَنْ اجْتَهَدْ يَعْنِي فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ وَالرَّسُولِهِ بِحَسْبِ اسْتَطَاعَتِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Subhanallah. Celui qui va, dans la mesure de ses capacités, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va sincèrement, dans la mesure de ses capacités, adorer Allah azza wa jal, essayer de faire un effort pour obéir à Allah et à obéir à son prophète, dans la mesure de ses capacités, bihasbi istata'atihi, Allah azza wa jal le compte parmi les gens du paradis. Allah, il le compte parmi les gens du paradis, subhanallah. Tu sais qu'avec ta niyyah, regardez à quel point c'est important, subhanallah. Avec ton intention, tu peux atteindre des œuvres que tu n'es pas capable de faire. T'as des adillah, subhanallah, kathira fi. Yani fi al-hadith, alhamdoulilah, t'as beaucoup de hadith, beaucoup de preuves qui te démontrent une chose. Celui qui a l'intention sincère de faire une œuvre qu'il n'est pas capable de faire, mais il est sincère, Allah jalla fi'ala kataba lahu azza wa jal, Allah il lui compte comme s'il l'avait faite. Parce qu'il n'était pas capable de la faire, mais il aimait la faire. Il aurait voulu la faire. Au point que, te dit, celui par exemple qui n'a pas beaucoup d'argent et qui voit des gens qui font des sadaqat, subhanallah, tu vois, qui font des aumônes. Et lui, vraiment, il se dit, si moi j'avais cela, si moi j'avais ces moyens, je donnerais vraiment, comme il donne, voire plus. Mais sincèrement, l'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas cela pour que les gens disent, mashallah, il est comme nous, tu vois, il a... Non, il se dit ça en lui-même, il y a un effet nefsi, en lui-même. Si moi j'avais cela, je le ferais. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui compte comme s'il l'avait fait. N'est-ce pas là une miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est pour ça que l'intention, l'ikhlas, elle est très importante. Des fois, nous, on vient à la mosquée, on fréquente les gens. Au lieu de nous dire, quand on voit des choses bien qui nous plaisent, Masha'Allah, Alhamdulillah, ah si moi vraiment, Masha'Allah Azza wa Jal, je pouvais faire cela, je le ferais sincèrement. Tu vois? Ben nous, des fois, on oublie comme cela. Shaitan est trop, il rentre dans nos intentions. C'est pour ça qu'on waqila li sahl. Un des Ahmed al-Ulama kadhalik, on lui a posé la question, un des tabi'in, ceux qui nous ont précédés. On lui a dit ma ya'ni ma shay ashad ya'ni ala an-nafs. Quelle est la chose ashad ya'ni ala an-nafs qui est la plus dure pour l'âme? Quelle est la chose la plus difficile pour la personne, pour l'âme? Il a dit al-ikhlas, la sincérité. Li annaha يعني ليس لها فيه نصيب, parce qu'il n'y a pas de comparatif à la sincérité. Tu peux pas la sincérité, c'est quelque chose, tu peux pas l'acheter. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant d'être sincère. Tu peux faire semblant, mais ça marchera pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire des semblants à la dhahir, en apparence, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut rien peser. Ce qui compte, c'est fi qalbik, ce qu'il y a dans ton cœur. Tu vois? Ce qui compte, c'est cela. Certains des ulama anciens, quand ils lisaient le Coran, certains, tellement ils voulaient garder l'ajr, yani par rapport à leur lecture, ils ne voulaient pas que les gens pensent que, ah, tu vois, mashallah, il lit beaucoup le Coran, lui. Ah, subhanallah, chaque fois qu'on le voit, il lit le Coran. Tellement ils voulaient garder ce secret avec Allah, subhanahu wa ta'ala, quand ils lisaient le Coran tout seul dans un coin, et que quelqu'un venait vers lui, eh bien, il prenait son vêtement et il cachait le Coran. Il cachait le Coran. Pour pas qu'on le voyait, qu'on le voit en train de... qu'on pense, ah, il disait le Coran. Il veut garder, ça ne veut pas dire qu'il faut faire cela. Mais c'est pour dire qu'ils étaient à la recherche, tu vois, du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voulaient se rapprocher au maximum d'Allah azza wa jal en cachant leurs œuvres. Min a'adam kadalik al-a'amal inna Allah subhanahu wa ta'ala khashad Allah azza wa jal fi sirr wal-alam kadalik.
Par exemple, parmi les meilleures œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla, par exemple, c'est la crainte d'Allah en secret comme en public. Tu vois? In tattaqullah Azza wa Jalla, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Donc cela veut dire quoi? C'est pas tu crains Allah uniquement. Pourquoi je vous dis ça? Là, on est en période estivale. On va partir peut-être beaucoup en vacances, certains vont partir en vacances, tu vois? Mais il faut faire attention à niya, à l'intention, allez. Parce que quand tu vas partir fil bled par exemple, ou tu pars dans un autre lieu, qu'est-ce qui se passe en général? Là, tu vois, quand tu es avec les frères qui te connaissent, Anas, ils te connaissent. Donc toi, tu fais attention. Tu fais attention comment tu te comportes dans la rue. Tu fais attention comment tu es dans la mosquée. Tu fais attention comment, tu vois, comment ce que tu es dans ta ville. Tu fais attention parce que tu es connu, c'est vrai ou pas? Mais quand tu vas dans une ville où tu es inconnu, personne ne te connaît. Toi-même, tu sais que tu connais personne. Souvent, tu changes un petit peu. Tu n'as plus le même comportement. Tu changes de... Tu vois? Certains, ils tombent dans les péchés, dans la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont relâchés. Je suis vu par personne, je connais personne, je suis un peu plus libre. Je fais un peu ce que je veux. C'est là, Yannick, qu'il faut faire attention. Par exemple, si là, tu as le Coran, ta lecture de Coran, si tu lisais beaucoup le Coran, où tu étais, quand tu pars, il ne faut pas que tu délaisses ta lecture de Coran. Faut pas que tu délaisses tes œuvres, tes bonnes œuvres que tu faisais pour Allah subhanahu wa ta'ala, où que tu sois, ici ou ailleurs, en France ou dans un autre pays, faut pas que tu délaisses. Tu vois? Certaines personnes, mashallah, par exemple, ils ont l'habitude d'aller à la mosquée, alhamdulillah. Hada min ni'matillahi azza wa jalla, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, quand tu pars en vacances, des fois tu dis, bah, je prends même des vacances par rapport à la mosquée. C'est-à-dire que j'y vais plus. Quand je suis en vacances, je fréquente pas la mosquée. C'est les vacances. Mais l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est aymakan, elle est en tout lieu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, tu vois, tu peux pas profiter un peu. Tu vas profiter, mais tu essaies de mettre quoi? Al-ibad, wal-ubudiyah, au centre quand même, tu vois. Quand tu t'organises dans ta vie, tu essaies de mettre l'islam, au centre même, dans le centre juste milieu. Tu ne veux pas délaisser cela. C'est pour ça que, subhanallah, vous avez des érudits, mais al-hufad, wal-ulama, subhanallah, qui nous ont montré dans leur vie comment Allah Jalla fi'ullah les ont facilités. Vous avez par exemple, ahad minhum, al-hafid. العالم ابن رجب رحم الله رحمة واسعة الإمام ابن رجب qu'est-ce qu'on raconte de lui لما حضرت الوفاة au moment où il allait pour qu'il était dans les derniers jours de sa vie de sa mort c'est quelqu'un subhanallah qui a été un érudit qui a passé sa vie dans la science qui a laissé énormément de bonnes œuvres et d'ouvrages extrêmement bénéfiques pour les cœurs pour les œuvres pour la sincérité tout cela subhanallah. Eh bien, on dit qu'au moment de sa mort, certaines personnes l'ont entendu dire 30 fois, Ya Allah al-Afu, Ya Allah al-Afu, Oh Allah, le pardon, Oh Allah, j'attends le pardon. Et après, juste avant quoi? Juste avant que son âme quitte son corps. Qu'est-ce que ça te montre cela? Husn al-Khatima, la bonne fin. Qu'Allah Jalla fi'ula, il donne à qui il veut. Toi, la bonne fin. Tu pars de ce bas monde. Avec tes derniers mots, c'est tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes rien d'autre. Cela fait partie des bonnes fins qu'Allah Jalla fi'ula te donne. Lui, on te dit que, qabla ya'ni, ayam, quelques jours avant sa mort, il avait quelqu'un qui était avec lui, qui l'aidait, comme une sorte de servant qui l'aidait un peu. Et il lui dit une fois, ya'ni, creuse-moi une tombe. Creuse-moi une tombe. Il s'est étonné. Ajaba kadal, il s'est étonné, il lui a dit... Il n'a pas trop compris, mais il n'a pas voulu polémiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, yani dans, là où il lui a demandé d'aller creuser sa tombe. Il lui a dit, creuse une tombe, et après tu reviens me voir. Donc il a fait cela, il a creusé une tombe, il est revenu. Il lui a dit, voilà, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, emmène-moi là où tu l'as creusé. Et il est parti. Il lui a dit, voilà, la tombe, elle est là. Nazala, yani fi qabr. Il est descendu dans la tombe. Il s'est allongé dans la tombe. Il s'est relevé, il a fait, elle est très bien celle-ci. Et on dit, cela, ça s'est passé 3 jours avant sa mort. Et il a été enterré dans cette tombe. Subhanallah. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des alamat, des signes des fois, à celui qui est muttaqi, à celui qui est mukhlis, celui qui est sincère, celui qui est pieux. Allah Jalla fi'ula, il lui accorde des choses. Pour que tu vois, subhanallah, il puisse quitter ce bas monde, de la meilleure des façons. On avait même, subhanallah, l'imam al-Dahabi, rahmatullah alayh. L'imam al-Dahabi, vous savez, c'est Sahib al-Kitab, Siyar al-Alam al-Nubala'. L'auteur du grand ouvrage qui fait plus de 30 volumes sur la vie de tous les grands éminents savants depuis avant jusqu'à son époque, ainsi de suite. Il a écrit encore plein d'ouvrages, subhanallah.
Et il a écrit d'autres ouvrages, comme Mu'jam Kadal, يعني المحدثين et tout. Il a écrit d'autres ouvrages dans lesquels, subhanallah, il raconte une chose à la fin de son livre. Il dit, voilà l'ouvrage que j'ai écrit. Eh bien, j'en ai entendu de bonnes opinions. De bonnes opinions. Les gens et les savants en ont parlé en bien. Et cela m'a servi par rapport à la science que j'ai pu évoquer. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, wala hawla wala quwwata illa billah. Mais il n'y a de puissance et de force qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala me préserve, imani, ma foi, eh bien, ya fawzi, j'aurais gagné. C'est-à-dire, les ulama t'ont dit, quand il a dit cela, il t'a montré comment ce qu'il était humble, dans l'humilité. Même quand il recevait les plus grandes éloges, après avoir fait des ouvrages de qualité, subhanallah, eh bien, il doute encore. Et il se dit peut-être, tout ce qui compte, tout ce qui prime pour moi, c'est qu'Allah Jalla fi'ala, il m'ait préservé l'iman, ma foi, fi qalbi, dans mon cœur. Et s'il m'a préservé cela, que je pars de ce bas monde, de la dunya, dans cette situation, alhamdoulilah, j'aurais gagné, j'aurais réussi. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire, subhanallah, annas, quand les gens sont sincères, Allah Jalla fi'ala, il va leur faciliter l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Jal va lui accorder du khair, du bien. Allah Azza wa Jal va le guider. Al-hidayah, yani, tu vas être dans la guidance auprès d'Allah Subhanahu wa Jal. Tu vas réussir dans plein de choses. Man amala salihan min dhakar aw untha wa huwa mu'min, falanuhayyinahu hayatan tayyibah. Celui qui parmi les hommes et les femmes croiront en Allah Azza wa Jal et feront des bonnes œuvres, nous allons leur accorder une bonne vie. Tu vois, nous allons leur accorder une bonne vie. Subhanallah, fi ad-dunya wa fi al-akhirah, yuthabbit Allahu alladhina amanu bil-qawl athabbit fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Yani fi al-qabr, Allah Jalla fi'ala va venir te raffermir dans ce bas monde et il va te raffermir dans l'au-delà. Et comment il te raffermit dans ce bas monde ? Il te raffermit yani fi al-qabr, عندما الملائكه auprès des deux anges quand ils vont t'interroger, ce n'est plus toi qui réponds. Allah Azza wa Jalla va t'assister grâce au fait que quoi ? Al-qawl athabbit, par la parole qu'il est venu assister, pour celui qui avait la foi, pour celui qui a œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans la tombe, il va l'aider à répondre aux questions. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, tu vois, quel est ton prophète, quelle est ta religion, quel est ton seigneur, ton prophète, ta religion. Eh bien, c'est plus toi qui réponds. Allah Jalla fi'ala, il vient t'assister. Allah, il vient te raffermir pour que tu répondes. Wa fil akhirah kadhalika, yani auprès d'Allah Azza wa Jalla, Allah il te facilite les réponses. Allah il te facilite tout cela grâce à quoi? Alhamdulillah fi hayatik, dans ta vie, tu as été sincère. Dans ta vie, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, certaines personnes, grâce à la sincérité, vous connaissez cette histoire, on terminera sur cela. Cet homme-là, qu'une fois, un jour, il était sur son cheval. Il vient voir le prophète, il vient le voir pour se convertir. À l'époque du prophète, il vient le voir pour se convertir. Il est sur son cheval, il vient jusqu'à lui. Au début, quand il est venu de loin, les compagnons ont eu peur, ils se sont dit peut-être qu'il vient pour, tu vois, pour agresser, pour faire quelque chose de mal. Donc ils étaient un petit peu en garde. Et le prophète a dit, non, laissez-le arriver jusqu'à moi. Et il est venu, personne ne le connaissait. Et il lui dit, ya Rasulallah, je viens à toi, je veux me convertir. Le prophète lui dit, tu as le droit, alhamdulillah, bien sûr, shahad, prononce la shahada. Il la prononce. Et lorsqu'il la prononce et qu'il veut repartir, son cheval trébuche, son pied au cheval, il rentre dans une sorte de hafra, yani de trou, et il trébuche. Et lorsque l'homme tombe, il tombe mal, il fait comme une sorte de coup du lapin, et il meurt sur le coup. Le prophète lui dit, subhanallah, il dit, regardez cet homme, qui n'a fait aucun acte fil islam, et pourtant il fait partie min ahl al-jannah, il fait partie des gens du paradis. Alors qu'il n'a fait aucun acte, qu'est-ce qu'il l'a fait rentrer fil jannah ? C'est le fait qu'il est venu à lui, qui s'est converti sincèrement, bil qalb, yani il a prononcé la shahada sincèrement, il n'a même pas fait de prière, il n'a pas fait de jeûne, il n'a pas donné de zakat, rien, il fait jannah, il rentre au paradis. La sincérité, elle l'a fait entrer au paradis, subhanallah. Et c'est de la même manière, toi tu ne sais pas quelle œuvre qui va te faire rentrer au paradis, toi tu penses des fois c'est tes prières, c'est ton jeûne, c'est tes aumônes, tu ne sais pas, des fois il se peut c'est juste un morceau de pain une fois que tu as donné à quelqu'un qui avait faim, tu l'as donné sincèrement. Tu voulais lui faire, tu vois, tu as vu qu'il en avait besoin, tu lui as donné. Tu sais pas, des fois, c'est un acte comme cela, subhanallah. Tout petit soit-il. C'est pour ça que Ibn al-Bar, rahmallahu ta'ala, disait quoi ? La, yani, la tahkar, yani, ne méprise aucun acte. Farubbama ghafara lah bi'aqalliha. Parce qu'il se peut que tu vas être pardonné par Allah Azza wa Jal par la plus petite des œuvres.
par le plus petit acte d'adoration que tu auras réalisé, Allah il va te pardonner pour cet acte-là. Tu ne sais pas c'est lequel. Toi tu crois que c'est tes grandes œuvres, c'est le hajj, je ne sais pas c'est quoi. Mais non, Allah il te pardonne pour un petit truc que tu as, même toi tu n'as même pas pensé à cet acte-là. Allah il te pardonne, subhanallah. Tu vois? Donc, cela veut dire quoi, Abdallah? C'est qu'on doit, inshallah, se concentrer sur l'ikhlas, la sincérité. Comment je peux être sincère? Faire attention à mes œuvres, pour qui je fais. Tu vois, quand tu vois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh Allah, c'est toi que j'adore. C'est à toi seul, c'est auprès de toi seul que je demande. Tu vois, c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il a écrit un ouvrage qui s'appelle Madarij as-Salikin, plusieurs volumes, qui sont un cheminement de l'adorateur d'Allah Azza wa Jal pour arriver jusqu'au summum. Et donc, tout son ouvrage, c'est le commentaire d'un grand savant, Yanni, qui lui-même, eh bien, a considéré que pour arriver à la station la plus élevée, il a traduit de toutes les stations la peur, la crainte, le rapprochement, la sincérité, tout cela. Eh bien, c'était sur la base de ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Parce que cette parole que tu prononces plus de 17 fois par jour, elle est aussi la plus importante dans cette surah, qui est aussi la surah importante, bien sûr. Mais le fait que tu comprennes pourquoi tu dis « c'est toi seul que j'adore et c'est à toi seul et auprès de toi seul que je recherche le secours ». Comme quoi, tu enlèves tout. Toi, ta'abud Allah Azza wa Jal, seul, wahda, douna, masiwa. Tu n'associes plus rien à Allah Azza wa Jal. Tu ne mets plus rien dans ton cœur en dehors d'Allah. Ton seul amour, Azza wa Jal, ton seul adorateur, toi, que tu aimes, que tu adores, seul, Allah Azza wa Jal, le seul qui mérite l'adoration. Un la ma'abuda bihaqin ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa'abud Allah wa la tushriku bihi shay'a. C'est pour ça que l'ulama disait le verset Faman kana yarju liqa'a rabbih fa ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tu vois, celui qui espère, regardez ce verset fait surat al-Kahf, celui qui espère rencontrer son Seigneur, l'espérance, tout son espère, tu espères rencontrer Allah Azza wa Jalla dans les meilleures conditions, tu espères rencontrer Allah, tu vois, alors que tu as du mérite, que tu as des bonnes actions à montrer, et bien Allah Azza wa Jalla te dit, celui qui espère, tu vois, il parle de la personne qui veut, celui qui espère rencontrer son Seigneur, et bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration à son Seigneur. Ce verset, il est clair. Ce verset, il est fondamental. Il te donne quoi comme acte? Le fait que si tu veux atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, fais des bonnes œuvres, mais surtout, n'associe rien dans ton adoration. Et l'association, elle se fait par quoi? Par le fait que tu vas être sincère dans ton adoration à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Tu vas ne lui vouer tes actes qu'à lui seul, sans rien lui associer, en recherchant la récompense, le bienfait, que uniquement d'Allah Azza wa Jal. Pas des gens, de personne, des gens, juste... الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والسداد اللهم نسألك العلم النافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بارك الله فيكم غفر الله لي ولكم كل فيكم من فرع عبد الشباب السلام عليكم.